Bienvenue à, aux alentours de Wimbledon. Nous sommes ici avec les boys de l'équipe, Julien Reboulet. Bonjour. Et Franck Ramella. Bonjour. Alors les boys, les positifs de Roland-Garros et les positifs de Wimbledon, on dirait quoi? Les positifs, d'abord les négatifs de Roland-Garros, c'est que les Français ne gagnent jamais. Mais le positif du nouveau Roland-Garros, c'est que ça va devenir assez sympa avec la reconstruction d'un nouveau stade un peu plus grand. Un peu plus, presque aussi joli, presque aussi classe et chic, alors on ne sait pas trop les noms qui vont, que Wimbledon, pour essayer de se mettre au niveau de ce magnifique endroit. Quoi. Oui. Et Julien, les positifs de Roland-Garros et les positifs de Wimbledon? Ce qui va changer beaucoup à Roland-Garros, c'est que dans quelques années, on aura deux cours avec un toit. En fait. On croyait qu'on n'en aurait qu'un seul, le central, mais on aura aussi le Suzanne Lenglen qui aura un toit pour l'horizon des Jeux Olympiques à Paris en 2024. Donc ça changera beaucoup de choses dans le tournoi. Il y aura des sessions nocturnes. Et ça peut changer l'ambiance. Oui. Voilà, à Wimbledon, le positif, c'est que depuis qu'ils ont un toit, il ne pleut plus. Et vous, les journalistes de l'équipe, vous habitez toujours dans une maison privée ici. En quoi ça change la vie d'un journaliste quand on peut habiter tout près de l'endroit? Alors, il n'y a qu'à Wimbledon où on a ce procédé-là par rapport aux autres tournois du Grand Chelem, parce qu'en fait, les hôtels à Londres déjà sont beaucoup plus loin. Et en fait, même ça revient plus cher pour le journal, puisque c'est le journal qui paye les frais de logement pendant le tournoi. Donc là, l'avantage, c'est un, qu'on n'est pas loin, et deux, qu'on est tous ensemble. Donc ça permet d'avoir une vie en communauté qu'on ne connaît pas tellement le reste de l'année. Oui. Dans le temps, je me souviens, il y avait des chefs, il y avait des cuisiniers qui étaient très, très adroits dans les membres de l'équipe. Est-ce qu'il y a un bon chef cette année chez l'équipe? La tradition, là, pour le coup, celle-ci, elle s'est complètement perdue. C'était la vieille génération de gens qui aimaient concocter les bons plats à la française. Bon, tout ça n'existe plus. Hein. Une pensée émue pour Alain de Flacieux, un chef cuistot et un amoureux du tennis émérite. Alors on mange même pas des pâtes en fait, on boit du rosé parce qu'on est des bons Français, des bons boys. Et je pense que Frank ici a été légèrement parfois distrait cette année parce qu'il s'intéresse un tout petit peu à la Coupe du Monde. Frank, ça t'a affecté un peu la couverture de l'équipe à cause de la Coupe du Monde? Pas du tout, parce que j'ai fait travailler mes amis. Alors, je regardais un peu du coin de l'œil le tennis, hein, je suis bien obligé de le dire. Mais tout le monde comprendra que pendant la finale, que ce soit Djoko ou Nadal contre Isner ou Anderson, tout le monde comprendra que mon attention sera 95% portée sur le match de football. Ah bon. Et Julien, les Français, grosso modo, s'intéressent à quel point à Wimbledon, surtout que c'est juste après Roland-Garros? Cette année, ils s'y intéressent sans doute un peu moins, puisque premièrement, il y a cette Coupe du Monde de football où la France brille, et deuxièmement, les Français ont encore une fois disparu assez tôt, comme ces derniers mois en Grand Chelem. Mais en général, c'est un tournoi qui est pas mal suivi depuis la France, puisque c'est un des tournois du Grand Chelem où les Français réussissent le mieux historiquement. Il y a eu beaucoup de quarts de finale, quelques demi-finales, et puis bien sûr, des titres pour Amélie Mauresmo et Marion Bartoli récemment. Donc c'est quand même, avec le décalage horaire, qui est quasiment nul par rapport à l'Open d'Australie et l'US Open, je pense que c'est le deuxième tournoi du Grand Chelem le plus suivi en France. Je pense que tous les deux, vous avez déjà été au Canada pour les tournois au Canada. Tu as quelle sorte de souvenir de la Coupe Rogers? J'ai un très bon souvenir. J'y étais allé une seule fois en 2000 à Toronto et j'avais même visité une sorte de musée du tennis personnel chez un certain Tom Tebbutt. C'était très très bien. Oui. Et Franck? Le plus grand souvenir de tennis français de ces derniers temps, avec la victoire de Jo Wilfried Tsonga chez nos cousins de Toronto. Enfin, nos cousins, je ne sais pas si ce sont nos cousins aussi, mais n'empêche qu'il avait gagné. Donc ça, c'était un bon souvenir avec la découverte de cette très belle ville de Vancouver, aussi en Coupe Davis, où j'ai souvenir que, me semble-t-il, la France avait humilié le Canada de Raonic. Mais je pense que Raonic était blessé, alors ça a contribué un tout petit peu. Alors, pour être un peu plus sérieux, on analyse un peu la fin de ce tournoi avec les demi-finales d'hommes. Qu'est-ce qu'on pense voir dans ces deux matchs-là? Ça, c'est Franck. Il faut demander à Franck, c'est lui qui est plus sur le terrain. Non, mais toi, tu n'es pas un junior, tu n'es pas un nouveau dans ce métier. Non, ce qu'on se dit surtout, c'est que c'est ce qui intéresse beaucoup les gens, c'est est-ce que Serena Williams, qui revient quand même d'une grossesse qui a été très compliquée, peut réussir à créer l'exploit de gagner à nouveau un titre du Grand Chelem à 37 ans et d'égaler Margaret Court pour le plus grand nombre de majeurs. Ça, c'est complètement dingue par rapport à la carrière qu'elle a eue et la longévité qu'elle a, puisqu'elle était déjà là au XXe siècle. Elle a gagné son premier Grand Chelem au XXe siècle et on est en 2018. Donc ça, c'est incroyable. Après, on se dit que si elle affronte Kerber, en finale, ce sera une belle opposition de style. Alors que si elle affronte Ostapenko, par exemple, qui fait un peu du ball-trap, ça peut faire une finale avec un scénario un peu bizarre. Oui. Et Franck, chez les hommes, le grand match, c'est Nadal-Djokovic. Qu'est-ce qu'on en pense? Alors, c'est le retour, deux retours en fait. Hein. Djokovic qui revient de deux ans un tout petit peu étrange, hein, malgré tout.
qui là semble avoir retrouvé son niveau du Big Three. Hein, on l'avait un peu oublié, on l'a vraiment vite oublié parce que finalement il a gagné beaucoup de grands chelems et là on le sent un petit peu en colère par rapport à ce manque de reconnaissance, mais il est revenu. Et Nadal, bah, c'est le retour du Nadal sur herbe. Hein, ça faisait depuis la finale de 2011 qu'il n'avait pas fait grand chose. Deux champions qui reviennent, un grand match. Est-ce que Wimbledon est trop sérieux? Est-ce que Wimbledon est trop sérieux? Oui. Trop sérieux, oui, un peu de tradition. Mais enfin, non, les mots me manquent. Je ne sais pas, en fait. Demande à Julien, demande au Boris, Julien. Julien, qu'est-ce qu'on pourrait changer, peut-être pour faire ça plus amusant, plus gay pour les gens? À Wimbledon? Oui. Ah non, je crois qu'il ne faut rien changer pour faire ça plus amusant pour les gens, parce que justement, on vient à Wimbledon comme on va au pensionnat, voilà, c'est quelque chose de statique, et c'est, si un jour ils jouent en couleur à Wimbledon, ce ne sera plus Wimbledon. Donc il faut qu'il y ait des règles qui sont parfois un petit peu ténébreuses ou un petit peu bizarroïdes, mais il les faut parce que c'est Wimbledon. Il n'y a que ici qu'il y a des gens, on vous empêche de rester sur les marches d'escalier, et on sent qu'il ne faut vraiment pas rester sur les marches d'escalier, sinon on vous expulse manu militari. Il y a plein de choses comme ça qu'on voit qu'ici, et heureusement, parce que ça fait la personnalité du tournoi. Et je rajoute, il ne faut surtout pas sortir par la porte dérobée du centre de presse. Oui. Et je crois qu'un certain Tom Tebbutt risque rapidement de se faire enlever son accréditation. Je t'alerte ici. Dernière question, la bouffe pour un Français qui vient en Angleterre, pas nécessairement à Wimbledon, mais venir à Londres et manger, c'est comment? Eh bien, nous allons chez le Thaï. Ah bon? Un très bon Thaï. Oui. Et pas d'autres options? Non. Et fish and chips, ça fait pas? J'ai pas encore essayé, mais peut-être demain, si tu veux, on va essayer. OK. On remercie Franck et Julien, et on revient bientôt.